Coucou à tous! Salut! Alors, deuxième réveil Oh, j'ai des grosses en cuisses. Californie. T'es con. Bah, moi j'ai mieux dormi cette nuit-ci. Non, moi la nuit d'avant. J'ai mal aux dents, je crois. Hier, on est rentré tôt parce qu'on Ah, était vraiment fatigués à cause de. Ça se voit qu'elle est fatiguée, celle-là. Du coup, ouais, j'ai mieux dormi cette nuit-ci et du coup, je pense que je suis prête pour la journée. Tant mieux. Et on n'a pas pris de petit-déj ce matin puisqu'on n'avait pas faim. Ouais. On a préféré dormir. Bah c'est ça. T'es d'accord, hein? Bah ouais. T'as mis quoi comme beau t-shirt aujourd'hui? La belle et la bête. La belle et la bête. La La belle et belle et la la bête. bête. La belle au bon endroit, bien sûr. Et moi? Bah Toy Story, bien sûr. On voit même pas de l'eau. Bon, c'est pas grave. Bah ouais, c'est pas grave. Bah là, on va bouger notre cul et on va aller voir pour la navette. Elle a plus de voix. Ouais, Eh, on va aller voir. j'ai plus de voix. Bon, allez, Aïe, c'est putain. parti. Petit Starbucks. T'en penses quoi du Starbucks aux États-Unis? Alors, le premier qu'on a pris, c'était hier. Et non, avant-hier, du coup. Ah oui, c'est vrai déjà. Et du coup, elle avait pris un strawberry açaï. Qui ressemble à ça. Oui. Et moi, j'avais pris un green tea. Et alors, c'était pas bon le green tea. Heureusement, je l'avais pris un tout petit. J'étais déçue, son truc, c'était trop bon, le mien, c'était Ouais. dégueu. Bref. Et après, du coup, on retourne au Starbucks hier pour acheter de quoi manger et tout. Et puis là, bah, du coup, on prend deux strawberry açaï. Et il me demande un prénom. Alors je lui dis Elodie. Et il m'a dit Elogi. Il comprenait rien. Sincèrement, parce que j'avais mal à la Elogi. gorge. Il n'a pas dû bien. Américaine. Ouais, il fait trop beau. Donc, tous les jours. ouais. Il fait Là, chaud. il est quoi? Il est 10h? Ouais, 10h30. Ouais, 10h30, il fait super beau. Il fait limite meilleur maintenant que cet après-midi parce qu'après l'après-midi, il fait trop Ah chaud. ouais, Voilà notre rue. Du coup, près de chez nous, il y a un petit parking qui s'appelle le Toy Story Parking, c'est ça? ouais. Et donc là, on va prendre les petites navettes gratuites jusqu'à Disney. Parce que tous les jours, on allait à pied, donc on a Normal. découvert les navettes hier soir. En plus, c'est les navettes Toy Story, elles sont trop belles. Bon, du coup, on est arrivé au parc. Et du coup, ouais, en fait, on a découvert la Toy Story navette parce qu'en fait, on s'est dit, il y a un parking Disney derrière notre hôtel. S'il y a un parking Disney, ça veut dire que tu peux aller voir, tu veux. S'il y a un parking Disney, ça veut dire qu'il y a une navette. Du coup, on est allé et en fait, il y a une navette gratuite. Donc voilà. Et en plus, c'est la Toy Story navette comme ça. Du coup, elle est trop belle. Voilà. Du coup, je viens de faire un échange pin trading. J'avais un petit coco lapin de Disney dans Paris. Et là, j'ai échangé la petite borne à Alice. Ouais, il est beau. Ah, ouais, j'aime bien. Je suis fan. Voilà. Alors, on vient de prendre des fast-pass pour. Comment ça s'appelle déjà? Des bobsleigh. Ouais, c'est la grande montagne là, je sais pas si vous avez vu en photo ou en vidéo. Et donc c'est pour cet après-midi à 4h30. Ouais, 7h30. Et donc là, bon, la première attraction de la journée qu'on va faire, c'est Alice. C'est ouais, un petit ride dans l'univers d'Alice. Donc on va vous montrer tout ça. Thank you.
vraiment très sympa. Hein? C'était vraiment sympa. Ouais, c'est joli les effets et tout, c'est une longue visite quand même. Ouais, franchement, ouais. À un moment, quand on est re-rentré, je pensais que c'était terminé. Ah ouais. On va faire Pinocchio. C'est beau, hein, ouais. Ouais. C'est une très très belle boutique. Donc c'est la boutique près du château. Et il y a que des choses de Noël. Un peu comme la boutique sur notre château. Regarde. Ah, j'aime trop. Ah non. Trop mignon. Je pense que je vais partir avec un petit ornement. C'est sûr et certain. Vu le choix, il y a un très très grand choix. Et il y a que des belles choses. Oh, j'adore. Oh, you haven't? Okay. Il n'y a que des belles choses. Ouais. Cette boutique est trop bien. Ah ouais, c'est trop sympa. En plus, vous pouvez pas le sentir, mais ça sent la pomme cannelle, je pense. Ça sent trop bon. Ça donne trop envie d'être à Noël. On a l'impression d'être à Noël, ouais. Alors, t'entends quoi du château? Bah, il est super beau, hein. Ouais. Là, il a son charme. Ouais, c'est vrai.
I'm Mr. Smythe, and I'm Mr. Jones. And how's each and everybody doing today? Welcome to the theater, the famous Royal Theater. And while we're in the theater, I see it's good play. Using our imagination, as well as good enunciation. Princess Rapunzel, we are honored to be in your presence today. And we are most delighted you've accepted our invitation to join us in a live performance of your story. Well, it's my pleasure. After all, who better to help tell the story of Rapunzel than Rapunzel? Ahoy, dearie! Thank you. It should be noted by all in attendance that Mother Gothel was not Rapunzel's real mother. Excuse me. Are you Flynn Rider? Do I look like Flynn Rider? Well, what do you think? Does he look like Flynn Rider? Yeah. Fair enough! Wait a minute! Give me back my stranger! I need him to take me to see the floating lanterns. It's my dream. Oh, I do like breaking femurs. You can tell me what the dream is. Like everybody else, I've got a dream. Hey! I've got a dream! Well, take it away, fellow ruffian! I've got scars and lumps and bruises, but something here that oozes. And let's not even mention my complexion. But despite me extra toes and me gorda and me nose, I really want to make a love connection. He's got a dream! He's got a dream! I've got a dream! He's got a dream! I just want to see the floating lanterns! And with every passing hour, she's so catchy left her tower. Like all you lovely folks, she's got a dream. Yes, way down deep inside, we've got a dream. Yeah! And it's warm and real and bright. And the world is so fresh. All at once, everything is different now that I see you. Baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. T'as pris quoi, là? Chicken fusilier. C'est bon? Pas mal, c'est genre un peu, on prend un plateau et on choisit ce qu'on veut. On choisit soit des pâtes, des salades, des pizzas. Et après on se sert et on passe en place. Ça a l'air trop trop bon. Alors on est où? On est dans la file passe-passe de Fréquentaine. Il y avait 45 minutes normalement. On a demandé en tant que cast member, il m'a dit oui. Tout décoiffé, j'ai la tête qui tourne. C'est un truc de malade, le space. Ça fait des virages, on est parfait. En plus, c'est dans le noir, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est très différent de chez nous quand même. Bah ouais. C'est sympa. On est dans quoi? Todd. Mr. Todd. Mr. Todd. Wouh! Alors après avoir fait Mr. Todd, on va faire Blanche-Neige parce qu'il était écrit 20 minutes, mais en fait ça fait une minute qu'on est là et dans deux secondes on embarque. Donc voilà. Bah écoutez, c'était sympa la petite attraction de Blanche-Neige. T'as bien aimé? Semblable à celle qu'on a. Ouais. Ça va, bien. J'ai bien aimé la partie dans la forêt. C'était impressionnant, je trouvais. Ouais, elle est bien. C'est bien fait. On est où? On est à Main Street, USA. Et on va regarder la parade électronique.
Électronique. Électrique. Il y aura de l'électronique. La parade électrique. Ouais. Gentlemen, boys and girls, Disneyland proudly presents our spectacular festival pageant of nighttime magic and imagination. In thousands of sparkling lights and electro-symphonic musical sounds, the Main Street Electrical Parade. Journée, non, c'est la deuxième journée. C'était la deuxième journée au parc et on a fait que le parc Disneyland pour celle-ci. Mm. Et on s'est bien amusé, comme vous avez vu. Sauf que moi, j'étais, pour être honnête avec vous, j'étais un peu malade dans le sens à cause de mes cervicales. J'étais un peu malade donc. Je fais pas la gueule sur la vidéo, c'est juste que je suis pas très bien. En plus, t'avais plus de voix. Oui, en plus, avant de partir, j'avais une angine et elle n'était pas vraiment finie. Enfin, je prenais un traitement et tout. Donc ça, plus mes cervicales, bah, ce jour-là, ça allait pas trop. Donc voilà, clairement. Ça a été quand même, mais bon, pas trop. Après la parade électrique, on est clairement rentré. J'ai clairement pioncé. Mais j'en garde des bons souvenirs quand même. Mais bon, j'ai juste, je fais pas la gueule sur la vidéo. C'est juste que plus dure journée. J'étais pas bien. Mais bon, franchement, voilà. C'était top. Donc on espère que cette petite vidéo, ça vous plaît. Et on va déjà travailler sur la troisième. Voilà.
Bon, on galère un peu parce que le PC, bon, il faut l'excuser, c'est un vieux PC, donc il galère. On a pour projet d'en acheter un nouveau, donc pour le moment, ça traîne un peu au niveau des vlogs, mais bon, ça arrive bientôt. C'est ça. Bon, ben, voilà. Rien à dire. Je suis en pyjama. Journée de repos, journée pyjama. Journée de repos, clairement. Voilà. Bah, merci encore à tous ceux qui regardent la vidéo, qui aiment ce qu'on partage, et nous, ça nous fait plaisir. Salut, bisous.